Bonjour, bonsoir à tous, c'est Jolate. Aujourd'hui, nous allons analyser vos talents. Plus particulièrement, vos talents dans le dessin. Bah ouais, parce que vous avez été quand même pas mal nombreux à m'envoyer des dessins, des bannières, et je les ai tous rangés dans ce petit dossier. Eh ouais. Alors, je dis tous, mais c'est certainement faux, parce que je les ai pas tous rangés dans ce dossier. Pour la simple et bonne raison qu'il est fort possible que je sois passé à côté de pas mal de dessins. Bah, tout simplement parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des commentaires dans Facebook, YouTube, Twitter. Et du coup, j'en suis désolé, mais il y a encore pas si longtemps que ça, j'arrivais à répondre à tout le monde. Mais là, ça devient franchement pas possible. Alors c'est pas du tout une question que je me dis ouais ça y est j'ai 50 000 abonnés je vais plus répondre à personne. Non, pas du tout. Si je pouvais répondre à chacun d'entre vous je le ferais, mais c'est juste pas possible. Si je le ferais ben je passerais toutes mes journées à vous répondre et du coup j'aurais rien le temps de faire d'autre à côté. Donc vraiment j'espère que vous comprenez ça. Voilà, encore une fois désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde dans les commentaires Facebook, Twitter. D'ailleurs en parlant de ça n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Sur Twitter on a dépassé les 700, sur Facebook on est plus de 1300. Donc franchement n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, tout est dans la description. Bref, on va s'attaquer à ce petit dossier. Allons voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, alors je vous dis, il est fort possible que j'ai égaré quelques dessins. J'en suis désolé. Il y en a certainement qui sont noyés dans d'autres commentaires, dans les messages privés, donc vraiment désolé. Mais n'hésitez pas à envoyer vos dessins sur les réseaux sociaux. De toute façon, dès que j'en vois, en général, je l'enregistre dans un dossier. C'est bien cool, ça fait bien plaisir. Eh bien, nous commençons avec une jolie bannière. Jolate, Funny Gaming, Production, Trou Bébé, Sportio Team. Très intéressant, il a même repris mon logo. Franchement, elle est plutôt sympatoche. Bon, bah ce dessin n'a pas de signature, mais je pense que tu te reconnaîtras. En tout cas, ça fait très plaisir. Merci à toi pour ton dessin. Passons au dessin suivant. Ok, très bien. Celui-là non plus n'est pas signé. On va dire que celui-là, il fait assez peur. Disons que j'ai un sourire de crispé dessus. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'ai pas l'air très rassuré. Vous voyez, c'est... En fait, c'est comme un sourire forcé un petit peu. J'arriverai même pas à le faire, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, GG à toi, merci pour ton dessin. Alors celui-là, il est plutôt très spécial. Et oui, je vois bien, il a voulu faire un truc avec la Senseo. Alors on notera tout de même qu'il a eu le sens du détail. Regardez, il y a même les petits boutons là. Franchement, il est plutôt bien réalisé. On dirait que j'ai un peu du rouge à lèvres. C'est très spécial, c'est très bizarre. Mais en tout cas, GG à toi pour ton dessin. Franchement, ça fait bien plaisir. Merci à toi. Très bien, le dessin suivant. Ah, c'était le dessin des 40 000 abonnés. Ok, d'accord. Donc, la Senseo. Toi, ok, d'accord. Donc, ça, c'est moi. Aime mon dessin. Créateur professionnel Putakara. Ah oui, on sent qu'il y a du professionnalisme là derrière. Ça se sent direct. T'es roux et métisse, non? Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. En tout cas, Putakara, GG à toi. Ça fait plaisir, merci pour ton dessin. Ok, dessin suivant. Tyrone. Alors attendez, parce que celui-là, il est Tyrone. J'ai 12 ans. Jolate. Ok, d'accord. Et ben franchement, c'est franchement sympatoche. Hein. J'arrive pas à déchiffrer ce qui est marqué, là, du blanc sur du blanc. C'est assez dur. Je viens... J'arrive pas, du blanc sur du blanc. Mais en tout cas, Tyrone, GG à toi. Il est super bien fait, franchement. Très bien fait, Tyrone. Chez Jolate, on s'éclate. YouTube. Ouais, c'est franchement pas mal. Alors, celui-là, il a pas de signature, mais franchement, il est plutôt sympatoche. Ouais, ouais, il a même mis le petit smiley avec le genre de petit truc MDR et tout. Franchement, GG. Il est souvent repris, mon logo. Franchement, il est souvent dans les dessins. Bien, bien, bien. Attention, nous avons une autre bannière. Acrose Motion Graphics. Impeccable, mon vieux. Il a repris la photo de mon logo avec un petit cochon à côté. C'est fort sympatoche. Et Jolate, marqué en blanc et en rouge. C'est franchement bien, bien, bien. Banner, enjoy. Et bien, franchement, Acrose, super bien. Franchement, il est très bien fait. GG à toi pour ta bannière. Tu vois. Ok, d'accord. Allez, viens, mon cochon, petit cochon. Sur Facebook et Twitter. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça. Il n'y a pas de signature. Quand vous m'envoyez des petits trucs comme ça, pensez à mettre une petite signature dans le coin, ça fait bien plaisir. Votre pseudo ou quelque chose. En tout cas, bien, franchement, GG à toi. Super. Très bien, dessin suivant. Jolate. Jolate, cœur, Jolate. Moi aussi, je te fais des cœurs. Hashtag, les cochons sont tous présentes. Avec une petite tête de cochon. Et une bulle qui fait le bruit du cochon. Ok, d'accord, donc celui-là n'a également pas de signature, mais en tout cas, il est super bien fait. Merci à toi pour ton dessin. GG, franchement. Et nous avons une belle bannière. Une belle bannière super pas signée. Donc pareil, je ne sais pas qui c'est qui m'a fait ça. Alors à chaque fois, c'est vrai que je le rappelle, mais quand vous m'envoyez des dessins, mettez une petite signature dans le coin parce que je ne peux pas retenir tous vos pseudos quand vous m'envoyez un dessin. Mais en tout cas, il est super bien fait, franchement, j'aime bien. Avec genre la main et tout, ça fait bien.
Ça fait bien cool. J'aime bien. Et ben, GG à toi pour ta bannière. Franchement, bien. Bien. Ah, bah celui-là, il est signé, tu vois. Yacine Rajdani. Eh bien, Yacine, franchement, elle est plutôt sympa ta bannière. Elle est vachement bien. Jolat, Funny Gaming, Production True Bébé, Sportio Team. Ouais, non, franchement, elle est sobre, c'est classe. Moi, j'aime bien. Merci Yacine, franchement ça fait plaisir. Là, celle-là c'est marqué petit hein. By Playbreak alias, attendez, ah je peux l'agrandir. By Playbreak alias Nicolas Break. Ah bah celui-là il est carrément signé de tous les côtés hein. Là on peut pas se tromper hein. Ok, franchement il est sympa, c'est un petit logo qu'il m'a fait avec marqué Jolat en travers. Derrière je sais pas exactement ce que ça représente, mais en tout cas c'est bien fait derrière avec les effets d'ombre et tout. Franchement, GG à toi Nicolas. Ou Playbreak, je sais pas trop comment je dois t'appeler. Ouh, bah il est plutôt sympa celui-là. Jolat, GG à toi, meilleur youtubeur du monde. Le meilleur youtubeur, cordialement. Mehdi, attendez, ah oui, je pense pas à les agrandir à chaque fois. Cordialement, Mehdi, nous j'aime. Ah d'accord, celui-là il est signé. Merci à toi Mehdi, ça fait super plaisir. En tout cas, il est magnifique ton dessin. Franchement, GG. J'adore. Merci, merci beaucoup. Bon, et du coup, j'ai fait le tour de mon dossier dessin, mais je n'en ai pas fini. Parce que là, nous allons aller sur la chaîne à Jeffrey, qui a fait un magnifique fanart Jolat. Et franchement, j'avais envie de vous le montrer, parce qu'il est franchement sympatoche. Donc, Jeffrey m'a dessiné en timelapse, c'est-à-dire qu'il nous a fait ça en version accélérée. Et on va voir ce que donne le produit final. Allez, voyons voir ton dessin, cochon. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Jolat, fun, 40k, cochon. Tu me fais rire, cochon. Ah, d'accord. En tout cas, c'est super sympa. Regardez, il l'a signé. Jeffrey Lagrange, 22 mars 2016. On a même la date. Là, il a tout mis, il a mis le paquet, la date et tout. Ok, bah, en tout cas, franchement, il est super bien fait, ton dessin, Jeffrey. Merci à toi, ça fait très plaisir. Et du coup, nous arrivons pour ce dernier dessin sur la chaîne de Théo Tuto. Non, tuto Théo, je l'ai dit à l'envers. Alors Théo, il m'a laissé un commentaire et il m'avait dit que j'étais passé dans sa vidéo. Donc du coup, bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu aller voir. Et il se trouve que bah, Théo, il m'a dessiné. Donc on va aller voir ça. Alors, comment dire? Oui, c'est pas mal. Alors bon, je suis tout à fait d'accord avec le fait que nous ne sommes pas tous nés avec un pinceau dans les mains. On ne s'appelle pas tous Picasso ou Van Gogh. Mais là, Théo, tu devrais te mettre à la maçonnerie. Bien sûr, je te charrie, Théo. Il est très bien fait, ton dessin. Il est magnifique. La ressemblance est d'ailleurs frappante. En tout cas, merci à toi, Théo. Une grosse dédicace, une grosse bise à toi. Merci bien. En plus, Théo, il a parlé de moi dans sa chaîne. Il a dit que je faisais des bonnes vidéos et tout. Et ça, c'est super sympa. Merci à toi, Théo. Bon, et bien, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur les dessins. En tout cas, merci à tous pour les dessins que vous m'envoyez, les messages privés, les commentaires d'encouragement. En tout cas, merci vraiment à tous. Encore merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci aux gens qui mettent des pouces bleus sur les vidéos. Merci vraiment à tous. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins par les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Je les enregistrerai dans des dossiers et ils repasseront dans une vidéo, un de ces quatre. Donc voilà, encore une fois, merci à tous. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye!